Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en réalité virtuelle. Parce que vous le savez, quand on est debout, c'est pas pour jouer au jeu du crochet. Le jeu du crochet, pour ceux qui savent pas, en gros, je vous montre, c'est quand vous prenez votre jambe et vous faites... Putain, après c'est normal si je perds tout le temps en jeu du crochet, je suis pas le meilleur, pas du tout. Bref, aujourd'hui c'est Final Fantasy El Puente, il y a un nouveau DLC qui est sorti et on est parti pour le découvrir. Donc je vous avoue, c'est la dernière vidéo que je fais avant la Paris Game Week, d'ailleurs je vous vois tous là-bas. Je suis très fatigué. Je risque de faire une attaque cardiaque parce qu'apparemment c'est le DLC qui fait, je crois, le plus peur. Donc honnêtement, cette vidéo-là, si vous voyez que je flippe, c'est parce que je flippe, vous comprenez? C'est mec trop bizarre. Donc écoutez les amis, on a qu'une vie, préparez-vous, ma coupe de cheveux est dégueulasse après. Bon, comme mes options de jeu sont en français, il est marqué continuer et optionnes. Pourquoi d'un coup les espagnols ils sont incrustés dans mon option du jeu? Ça c'est la danse du crabe. Oh là là les amis, on a les barres de chocolat Freddy. Ok, on a ça aussi, on peut pas le prendre. Non, je me disais que c'était un peu gros aussi. Je crois que c'est lui. Je suis pas sûr. Oh, oh c'est si badass. Je sais pas si vous l'avez vu Freddy. Il est là-haut avec le tonnerre. Il y a Bonnie là-bas. Mais what the fuck? Ok, c'est bon, je commence le jeu, calmez-vous. Mec, ça fait si peur, ok. C'est un mec, c'est quoi ça? Je crois que c'est honnêtement le meilleur DLC qu'on ait vu sur le jeu depuis que le jeu existe. Parce que de toute façon, il avait qu'un DLC. Ils ont vraiment tout fait Halloween. Ça, par contre, c'est vraiment cool. C'est génial. Ce qui est moins génial, c'est que c'est payant. Mais ça, c'est autre chose. Oh mec, effrayé du noir. Pourtant, je suis habillé tout en noir. Donc, avec moi, je serais effrayé moi-même. Oh mec, il y a une lampe torche, what the fuck? Il faut que j'arrête de dire oh mec, alors qu'il y a des filles qui regardent. Oh filles! Survivre jusqu'à 6h, bon, ça, on connaît. Presser la gâchette, tout continue. J'aime bien comment ils ont essayé de traduire le jeu. Genre un peu. Ok, bonjour. Oh, mais c'est... C'est horrible, putain! Ok, c'est officiellement trop flippant. Jouez pas avec moi. Je dois faire quoi? Casse-toi! Comme ma lampe, elle marche plus. Non, j'ai pas envie de savoir ce que tu fais. Ok, ok, faut économiser la lampe. Ouh! Pourquoi y'a Batman? Oh mec, c'est... C'est tellement terrifiant, non, pour de vrai, je veux pas jouer à ça. Moi, je joue pas à ça. Mec, ils sont cachés! Je joue pas à ça en mode... Je joue pas à ça. Ça fait beaucoup trop peur. J'étais pas prêt. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Enfin, même de tous les jeux d'horreur, je crois que c'est le truc le plus effrayant que j'ai vu. Oh, c'est beau ça. Mec, il fait 10 millions de kilomètres. Je crois que c'était une référence à Épouvantail dans Batman pour de vrai. Il est en feu. Il est trop on fire. Oh, il est trop chaud. Pour de vrai, vous imaginez même pas à quel point je suis un gros gros enfant quand je joue à ce jeu. Redémarrer, retour au bureau. Non, là je recommence. Je jure que si vous mettez pas au moins 5000 pouces bleus, je fais pas de partie 2 parce que là c'est beaucoup, ça sert à rien. Ok, t'as les petits là-bas, regardez, eux on les vire direct. C'est si flippant. Mais je sais pas d'où elle arrive à chaque fois. Je sais pas s'ils ont un pattern ou si c'est complètement aléatoire. Mec, je les entends couler autour de moi, c'est pas bien. Ah, c'est si beau. J'ai si peur. Mec. Je sais pas comment on gagne ce jeu. Bon tout le monde, j'ai une proposition de ce qu'on peut faire aujourd'hui parce que actuellement vraiment je flippe énormément sur ce mode là. En gros il y a d'autres modes, donc ce que je propose qu'on fasse c'est qu'aujourd'hui on en teste un peu tous, que vous choisissiez quel mode on va faire en complet dans une vidéo plus tard. Enfin, on fera peut-être une partie 2 et peut-être même une partie 3. Alors du coup il y a Effrayé du Noir, donc ça c'est vraiment celui que j'ai pas envie de faire. Spooky Mansion, ça ça a l'air cool. Je crois qu'en gros c'est celui-là où il faut courir dans les couloirs, putain les pires quoi. Ok, on va commencer par le premier. Dites-moi que c'est un truc simple. Je veux pas un truc dur. Pas comme mon gros... bâton dans mon pénis. Désolé. Ah non, désolé. En fait, je voulais faire une blague, mais finalement, c'était pas une blague, je crois. Les gens, je sais pas dans quoi je m'embarque là actuellement. J'ai trop peur. Et en fait, j'ai trop peur de crier comme une petite fille parce que je sais très bien que je vais crier si, genre, c'est vraiment trop flippant. Je dois faire quoi? Pourquoi on voit rien? Donc, y'en a pas de lampe torche. J'ai trop peur. Je veux pas avancer. Je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais en gros, moi, je vois pas grand chose. Bonjour? C'est un peu comme une maison hantée, quoi. Il bouge pas. Hein. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Petit chien, méchant chien. Va chercher. Non. Mec, c'est la pire maison. Ça, c'est un hôtel. Moi, je paye même pas. Hein. Faudrait me payer très cher pour que je dorme dans cet hôtel. En fait, non, vous savez quoi? Laissez tomber. Ne me donnez rien. Je viendrai pas. En fait, faut pas avancer quand eux, ils sont dehors. C'est pour ça que je fais grave gaffe. Méchant chien. Mec, je veux pas avancer. Il y a le chien. Il y a Foxy. Enfin, Foxy, c'est un renard. Mais moi, je dis que c'est un chien. Laissez-moi tranquille. Mec, moi, je bouge pas. C'est à ça devant moi. Hein. Viens, j'ai bougé. Bonjour. Vous venez souvent ici? Vous ressemblez à ma mère. Hein. Oui, je sais, elle est très belle. Oh, bonjour. Eh, hey, est-ce que vous avez vu le livreur de tacos? Il s'appelle Esteban et je le cherche. Non, vous l'avez pas vu? Bon, passez une bonne journée. Imagine, tu fêtes Halloween et genre, tu toques à la porte et le costume de la personne à qui tu toques, c'est ça. Comment toi, ton costume, peu importe le costume hôtel. C'était super dur. Moi, je suis en train de me dire que moi, vraiment, si je toque à la porte Halloween et que je vois vraiment qu'il y a une personne qui a ce genre de costume, mais moi, je cours très vite, hein. C'est moi qui donne des bonbons. C'est du racket. En vrai, je suis chaud de recommencer. C'était trop stylé. Ouais, bah, ça va alors. Allez, tu veux faire quoi, toi? Tu veux faire quoi? Tu connais Esteban le livreur de tacos? Non, alors tais-toi. Je crois que les autres animatronics, ils font pas peur. Enfin, ils font pas peur. Ils font tous peur. Mais je crois qu'en gros, ils font rien. Il y a que Foxy en qui va nous attaquer. On peut juste pas courir quand il y a Foxy. Et on regarde pas derrière nous. Mais
Mec, c'est pas une blague. En fait, non, ils sont tous cinglés dans cet hôtel. Mec, c'est si difficile. Je pense que je vais jamais réussir. On teste encore une fois et puis on teste s'il y a d'autres modes de jeu. Mais ouah, mec, c'est super dur. Je veux pas vers ça, moi. YouTube, c'est plus une vie. Hein. C'est sous-payé, YouTube. En plus, il dure 10 000 ans ce couloir. C'est qui l'architecte? Parce que là, je suis assez loin. Ah ouais, clairement, allez, je suis au petit 2000, hein, vous voyez rien. Je suis vraiment juste là. Quoi, c'est mieux si vous voyez. Mec, c'est effrayant. Je vous jure que vraiment, c'est le truc le plus effrayant que j'avais vu de ma vie. Hein. J'ai joué à des jeux d'horreur, j'ai dû en jouer à genre 200 sur la chaîne. Mais celui-là, c'est vraiment le pire. C'est la masterclass de l'horreur. Genre, je veux pas du tout toucher à ça. Même avec un bâton, accrochant un bâton, moi, je suis pas à jeu. Putain, y'a Foxy. Moi, je vous jure que c'est Foxy le problème. Si t'es souvent seul avec les problèmes, c'est parce que souvent le problème, c'est toi. Vas-y, va te faire foutre. Moi, je te défonce. It's only a dream. Ah, c'est juste un rêve depuis le début. Si ça, c'est un rêve pour toi, ça ressemble à quoi un cauchemar? J'ai trop peur. Attends, on va retourner au menu et on va voir s'il n'y a pas d'autres jeux. Donc, Effray du Noir, c'est le pire. Clairement, c'est le pire. Celui-là, en gros, ça passe Spooky Mansion, Keep Danger Out. Pourquoi l'animation, elle est super cute et mignonne et le jeu, il fait super grave peur? En tout cas, il y a marqué que ça va sortir souvent. Donc, si vous voulez qu'on fasse souvent des vidéos sur ce DLC, on peut. Faut que je fasse quoi? Mais pourquoi vous expliquez rien aussi? Pourquoi moi, je suis le seul qui doit tout comprendre? Oh oh. Allô? 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 Je suis Stitch? Allô? Bang bang? Allô? Ok, donc ça je connais. On a du soda. Dégueulasse. Toujours pas aimé. Putain, ils arrivent! C'est des Ignite! Genre ils sont en feu. Mais mec, heureusement qu'il y a. Attends, dehors on peut pas? Ah, on peut que les éclairer? Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut les choper là où ils sont? Genre, attends, là ils sont là. Est-ce que là je les ai tués? Mi no comprendo espagnolo. What? Non, 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 non. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai désactivé l'électricité? Réactive-toi! Bonjour? Bonjour? Vous êtes sûr d'aller bien? Boum, je te flash. Ok, j'ai absolument rien compris. Mais en tout cas, on a réussi. Est-ce que je les flash? Est-ce que je prends des photos d'eux? 40% de batterie! J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Non, 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 non. Ok, attends. Attends, ça devrait le faire. Ça va pas faire. Ok, celui-là, je suis pas sûr d'avoir complètement tout compris. En fait, j'ai sûrement rien compris du tout. Mais écoutez, je pense qu'il est plus simple que les autres. Du moins, il me fait moins peur. Donc, on va rester sur celui-là pour l'instant parce que lui, au moins, il est logique. Bon, tais-toi le téléphone, tu nous fais perdre du temps et de la batterie. Il commence genre tout là-haut. Ok, il descend. Donc là, c'est la map normale dans laquelle en fait être pris. Et du coup, je suppose qu'il y a Chica et Bonnie. Mais je sais pas à quoi ça sert ça. Genre là, on peut les flasher. Et il y a ça aussi pour éteindre le courant. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Par contre, la batterie, elle s'use énormément. Je sais pas si c'est bien ce que je fais, mais je vais éteindre la batterie. Et ça se trouve dans quelques minutes, on est mort. Putain. Rallume-toi. Ok, donc en fait, la batterie part ultra vite, elle est chargée à 5, mais quand je fais ça, en fait, ça recharge ma batterie. Donc faut recharger les batteries avant que les animatroniques débarquent. Ok, je crois que j'ai compris. Ok, ça c'est le but du jeu, ok, j'ai compris. Ok, je le flash aussi. Et on va recharger un peu notre courant pour pas avoir Freddy qui débarque. Allez, dis-moi qu'il vienne pas. Que ça, en fait, qui fait pas peur. Là, c'est trop dans la vidéo de Squeezie. Là, c'est reparti à 100%. En vrai, c'est... Ok, là, je comprends la mécanique, c'est ok. Bonjour, vous voulez des gâteaux? Si vous voulez, j'ai ça. Venez, quand il y en a un, genre, venez, on lui lance ça. Pour montrer notre manque de respect, notre supériorité. Attends. Bah, dégage! Et maintenant, je te flash. Ouais, mec, le flash, ça bouffe tellement de batterie. Ok, on éteint l'électricité maintenant, c'est qu'autant la recharger quand ils sont pas là. Mec, je prie pour qu'ils débarquent pas maintenant. Au moins, ça met pas trop de temps, ça va, tu vois, genre ça repart au bout de quelques minutes. Ok, 100% de batterie. Chica n'est pas détectée dans le secteur. Toi, si. Parfait, ça c'est très bien. Ah, ok, donc en fait, ça c'est le flash de loin. Ok, donc je perds juste de la batterie, je crois que je flash. Je crois que je perds 10 ou 20 quand je flash. Boum! Ouais, je perds 20. Mais je crois que je perds que quand je flash du coup. Parce que finalement, j'ai rien activé à part ce petit bout de papier. Je bouffe aussi de papier. Oh oh. Ok, on ferme la lumière. Allez, s'il vous plaît, ne venez pas. On dirait le mode zombie, vous savez, dans Call of Duty avec les planches. Mais c'est aussi que c'est à des animatronics. Et c'est reparti pour un tour. Bienvenue à la foire et c'est parti pour essayer de faire ça. Je sais pas ce que je raconte. Toi, tu dégages. Pour l'instant, je gère bien, je trouve. Du moins, ça, je veux pas dire, mais il fait moins flipper que les autres. Et surtout, il me donne moins envie d'aller me pisser dessus. Donc c'est cool. C'est cool pour le nettoyage et le pantalon. Y'a quelqu'un? Mec, on voit de super loin. Ok, ils ont pas trop l'air de se déterminer pour venir. Je sais pas où ils sont. What? Quoi? Mais c'est une blague! Il a mis deux coups dans le bout de bois et... C'est un peu triste, les amis. C'est un peu triste. Ok, il faut qu'on termine celui-là pour la vidéo. Ça pourrait être vraiment cool. Celui-là, je suis déterminé pour le finir. C'est parti. Il n'y a pas marqué quelle heure il est. Donc en fait, on survit... Ah si, juste là. Flash! Bim! Je suis plus rapide que Flash, le super-héros. Mais casse-toi! Il a fait trop de mal à mes planches! Moi, j'ai planché sur le sujet, je peux vous dire, j'en ai marre. Casse-toi, toi. Ok, il y en a un qui débarque, je crois. J'ai entendu des bruits un peu suspects. C'était soit ça, soit ils sont en train de faire l'amour. Ok, pour l'instant, personne vient. On a 80% de batterie. Franchement, on est bien. Il est 5h du matin. Si on perd maintenant, j'ai grave le seum, en vrai. Il n'y a plus qui viennent. Boum! Je te flash! Ok, il y en a un là. Boum! Bonnie, t'es mort. Je pense que c'est le vrai bon. Eh, sérieux, il est 5h du matin, abusez pas. Moi, je fais pas de hors-sup, hein.
Donnez-moi un A, donnez-moi un M, donnez-moi un 6, A, M. On a gagné, je sais pas par quel miracle de Noël, alors qu'on est en décembre, et que j'ai pas de montre. Oh, un cadeau! Pas un skimmer, j'en ai déjà mangé beaucoup aujourd'hui. Oui, une peluche qui fait plus peur qu'un skimmer. Bah je la vends, écoutez, je la vends sur le bon coin. C'est une pièce d'annonce du bon coin. Peluche vieille de dinosaure année, qui fait très peur pour vos enfants de 6 à 7 ans, et qui sont nés entre le mois de mars et juin. Hop. Ok tout le monde, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que là actuellement c'était trop bien. Honnêtement j'adore, ce DLC est limite meilleur que le vrai jeu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas que si on bat le record de 5000 pouces bleus, on continuera à en faire ça sur la chaîne. N'hésitez pas à bombarder les likes, à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et merci encore une fois beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, passez une très bonne journée, à plus souvent, c'était Rayton. Ciao.